l'histoire de cet oiseau qu'on porte. Cette histoire, elle commence le 6 août 1945 au Japon. C'est une magnifique journée qui commence. Et quand les habitants de cette ville lèvent la tête, il y a un étrange petit paquet qui tombe du ciel. Et ce petit paquet, c'est la première bombe atomique qui va exploser sur la ville de Hiroshima. En quelques secondes, la ville est rasée. Il y a 70 000 victimes. Et dans cette ville, il y a une petite fille de 2 ans. Et Sadako et sa famille, ils sont survivants. À 12 ans, 10 ans plus tard, elle s'effondre. Et là, les médecins, ils vont diagnostiquer un cancer du sang, la maladie de la bombe. Elle a une copine de classe qui lui dit « On a une légende. » Et cette légende, elle dit que si on plie 1000 oiseaux en papier, on peut faire un vœu et que notre vœu, il va être exaucé. Vous devinez ce qu'elle fait comme vœu, Sadako? Vous devinez? De rester en vie. Elle commence à faire les pliages en papier. Elle se tient à cette légende. Et elle fonce. 10 oiseaux, 20, 50, 100, 200, 300. Il faut plein de papier pour faire 1000 oiseaux en papier. Les infirmières de l'hôpital lui amènent tous les papiers des médicaments pour faire des oiseaux et des oiseaux. 300, 350, 400, 450, 500. Et puis là, les médecins, ils sont surpris parce que l'état de la petite s'améliore. Et donc, elle sort de l'hôpital. De nouveau, elle tombe. On la ramène à l'hôpital et elle continue ce pliage. 510, 520, 550. Allez, 570, 600, 620, 630, 635, 636, 637, 638, 640, 641, 642, 643, 644. Elle meurt. C'était pas une histoire de Walt Disney. C'était Hiroshima. 140 000 victimes. Aujourd'hui, en 2018, je vous raconte l'histoire de Sadako. Et c'est notre gala à nous. C'est notre gala de la paix. Voilà l'histoire de l'oiseau qu'on tient sur la tête. C'est pas juste joli. C'est pas juste parce qu'on est fou. On peut continuer à piller des oiseaux. On peut ?